Bonjour à tous, c'est Yoshiaki, et aujourd'hui, petite intro spéciale, comme vous le voyez, je suis un grand fan des Rayman, mais voilà, un problème est là. Les lapins crétins sont débarqués, c'est le cauchemar. Enfin, en tout cas, le plus mauvais restera pour moi, Rayman contre les lapins, encore plus crétin, celui qui est en haut à droite. Mais bon, la question n'est pas là, c'est que, voilà, comme dans la vidéo test, j'avais prévu de faire... une vidéo Solus, c'est-à-dire que je vais faire tout le jeu, parce que je l'ai fait tellement fois, je l'ai fait une centaine de fois, que ne pas faire Rayman 3, ce serait honteux. D'ailleurs aussi, pendant la vidéo, je vous l'ai dit que j'avais même fait un livre de Rayman. Je vais vous le montrer, je sais pas si vous le verrez bien. Rayman 3, par contre, je n'ai pas retrouvé Rayman 2, ce qui est dommage, mais c'est que quand je ferai cette vidéo test, je vous la montrerai. D'ailleurs, celle-là, je l'ai terminée, mais... comme moi, tout ce que je fais, c'est seul et sans aide, quasiment, bah c'est difficile. Mais bon, voilà, ça ne m'empêche pas de continuer mes vidéos tests et... voyou. Donc, je vais faire la vidéo Solus de Rayman 3 et je vous souhaite bon visionnage. Ça n'a pas été trop.
Moses. Wouah. Hop, je déconne. T'es vraiment trop bonne comme ça, tu sais. D'ailleurs, c'est quand t'enlèves le bas? Oh, le prends pas comme ça. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Le manuel. Il y a tout là-dedans. Si on lit l'histoire, on trouvera comment te tirer de là. Alors, il était une fois les lumes, c'est l'harmonie, l'amour, la paix. Tu parles d'un scénario. Soudain, le drame. André transforme les lumes rouges en hoodlums. Le monde est en danger. Ah, voilà. Là, ils disent que c'est Globox qui est parti avec tes mains. Ouais, trouillard comme il a dû se planquer quelque part. Ah, ça, ça va pas être évident de lui mettre la main dessus. Surtout pour toi. En fait, j'ai oublié de te dire. Chacune de tes actions te rapporte des points. Tiens, regarde le compteur. Je vais te montrer. Pousse-toi, ma poule. Lorsque tu marques des points, le panneau s'abaisse et tu passes en mode combo. C'est là que ça devient génial, parce qu'en mode combo, tes actions valent beaucoup plus. Seulement, faut pas traîner, parce que le mode combo finit par disparaître si tu marques plus de points. Ah, dernier truc. Les points permettent d'acheter des niveaux cachés. Alors, essaye de faire le meilleur score, c'est pas le plus facile. Oh, le manuel a pas l'air terrible, mais en cherchant bien, on devrait trouver deux ou trois trucs utiles. Tiens, là, les disques pour sauter, il faut utiliser... La touche de saut, sans blague, voilà une info. Et la disque pour frapper, c'est la touche de tir. Bravo. Non, sérieux, il y a vraiment des types qui sont payés pour faire ça. Bilan, je me retrouve à faire la mouche.